Yves Saint-Lazare, maintenant que le ciel s'est assombri et que ton voyage sur terre s'arrête, tous tes enfants en chœur te chantent ce refrain comme un chant d'adieu. Va en paix. Aujourd'hui, au tiki vidi inévitable, et ta présence est irremplaçable. Yves Saint-Lazare, notre père, adieu. Déjeuner lourd, trouve ici C'est une personne particulière, Agimoto Moussous. Bon, bien que Mingi soit au Koufine au Bongi, bon, mais tu comprends les logos, c'était une personnalité. C'était une personnalité et qu'on a perdu. Et le remplacer, c'est pas de moi. Justement, on ne prend pas. Vraiment, et le Yamaka, c'est un Wana. En tout cas, témoignant, on a un Mitema. En tout cas, on a perdu un grand pionnier de la musique congolaise, sinon de la rumba. Alors, Nenge mobilisation Batoubaye Awa, c'est pourtant dire que Yves Saint-Lazare, il savait conjuguer avec tout le monde. Ah oui, c'était sa qualité première. Et Bino Koya Kanabino, en tant que musicien, c'est dire que vous avez toujours partagé des moments de joie avec l'artiste. Justement, c'était sa qualité exceptionnelle. Vous savez, chacun de nous a une façon de se démarquer dans la foule. Alors lui, il était très social, très hospitalier, très accueillant, très, il écoutait. Donc vraiment, c'est ce qui témoigne en fait cet engouement, c'est ce qui témoigne ce mouvement en temps normal. Donc je crois que, comme on dit, hein, on juge les gens par ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent. Il disait moins, mais il faisait beaucoup. C'est ce qui a fait que dans ces faits, la présence, vraiment tout le monde ne voulait pas rester chez lui à la maison. Tout le monde voulait témoigner de sa gratitude que Naïe Bakiye et Azalagi Mouto Falati Gabiso le loté parce qu'il avait encore à faire. Souvent, quand les leaders partent, l'orchestre également se dilue dans l'espace et le temps. Quel destin tu donnes à son orchestre qu'il a laissé? C'est vrai que ça devient une coutume et une routine en même temps, mais on espère, moi j'espère bien, bon j'aurais souhaité qu'il fasse partie d'une exception, parce qu'ils ont d'abord en actif un album qui n'a pas pu voir le jour. Moi je pense qu'en sa mémoire, en sa reconnaissance, en son existence, en son respect de sa personne culturelle, moi je pense qu'il fallait bien, il faudrait bien, je veux dire, que cet album voie le jour. Alors ça dépendra pas trop de Kamuzika, mais nous autres qui sommes autour de Kamuzika, qui avons accompagné Yves Saint-Lazare aujourd'hui, On peut témoigner ça par les actions pour sortir cet album afin que notre artiste, l'œuvre qu'il a fait, ne passe pas en vain. En tout cas, ça, c'est un appel que je lance auprès de tout le monde. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais hein, si on peut se donner un devoir en trimestre, que cet album voie le jour. Oh, Seigneur, la présence de Dieu, nous fait.
Des obsèques qui ont débuté très tôt à la morgue municipale où plusieurs personnes venues des quatre coins de la ville ont assisté à la levée du corps dans une ambiance de tristesse et de consternation. Se sont inclinés devant la mémoire du disparu. Le président de l'Union des musiciens congolais en sigle UMC, Pape God, a indiqué la disparition d'un talent qui avait encore beaucoup à offrir à la musique congolaise. Que de l'émotion, hein, vraiment ça fait très mal parce que à son âge, il n'avait pas encore tout prouvé. Hein, et on comptait beaucoup sur lui, surtout au niveau de Pointe-Noire et par là aussi toute la République parce que je peux l'appeler révolutionnaire parce qu'il a révolutionné la musique au niveau de Pointe-Noire. Vraiment, je dis adieu l'artiste, vive l'artiste, bravo, bravo, bravo à l'artiste pour tout ce qu'il nous a laissé comme art, comme œuvre. Yves Saint-Lazare, c'était celui qui se battait le plus au niveau de Pointe-Noire pour rehausser, pour faire briller un peu la musique de Pointe-Noire. Et sa disparition, pour nous, ce que je demanderais à ceux qui sont restés ici à Pointe-Noire, de ne pas baisser les bras. Aujourd'hui, c'est une perte énorme pour la musique congolaise. Et un temps où je disais, la musique du Congo, du moins de Pointe-Noire, n'arrivait pas à traverser le Mayombe. Mais lui, il avait percé ce rideau. De temps en temps, il était avec nous à Brazzaville. Et à travers lui, nous avons découvert qu'il y avait des talents qui sommeillaient à Pointe-Noire. Dans sa carrière, qu'est-ce qui vous marque particulièrement? C'est l'esprit managérial. Il a su conduire les jeunes. Je n'étais pas sûr qu'il allait réussir. En fait, lorsqu'il y a eu dislocation du groupe Royal K qui était devenu K Musica et Royal K est resté, j'étais très sceptique. Il y avait moi, il y avait Bitemo Gaston de la direction départementale du Pointe-Noire. Moi, j'étais secrétaire général d'Afemico au Kwilu et à Pointe-Noire. Nous avons tout fait pour éviter cette dislocation. Mais après, on avait compris que c'était une dislocation nécessaire parce qu'elle ne venait pas pour séparer seulement, mais pour créer d'autres groupes. Et le groupe K-Musica, vraiment, il faut qu'on se le dise, a été parmi les groupes qui ont fait l'honneur de la cité panténégrine. Puis, la mise en terre est intervenue dans l'après-midi. Rappelons que Sunda Yves Lazare, dit Saint-Lazare, était parmi les rares leaders d'orchestre de Pointe-Noire à avoir répandu l'écho de sa musique tant sur le plan national qu'international. En définitive, nous disons merci à toute personne, physique ou morale, ayant contribué de quelque manière que ce soit pour la réalisation de tes obsèques. Que toute personne trouve ici l'objet de notre reconnaissance. Merci infiniment. Ça va être courage, hein? Ça va être courage.